Bonjour à tous. Je parle pas fort parce qu'il est 6h du matin. Mais on est au petit déjeuner, donc c'est le même principe qu'hier. On avait déjà ça à table, donc forcément les condiments changent. Là, il y a du poisson, de la viande. Alors ça, je sais pas du tout. Et il y a encore tout le buffet. Je vais pas vous le montrer, hein, c'est sensiblement les mêmes choses. Mais alors attendez, par contre, je vais déjà sortir pour vous montrer. Parce que dès qu'il y a du soleil ici, les stores sont baissés. Tu peux jamais voir la vue. Mais regardez l'extérieur. Regardez comme c'est magnifique aujourd'hui. Splendide. C'est vraiment une carte postale. Je vous remontre quand même mes petits empourras. Désolée si ça tremble, j'ai la tremblote. Du coup, petit troc, je vais récupérer la crevette de Mathieu. Oh. Voilà, pour mon brocoli. Et même ma patate. Cadeau. Je suis amoureuse des shrimps. Et j'ai dû troquer deux pour avoir ma shrimp. Qu'est-ce que je prépare pour des shrimps? Allez, regardez. Regardez le reflet dans la piscine. Magnifique. On va descendre au bord du lac. Bon, on ne l'a jamais si bien vu. Même en 2016, on l'a jamais vu comme ça. Bon, on se retrouve pour le repas, on vous prendra quand on sort pour vous dire où on est. Mais on voulait vous montrer parce qu'on est à Ichiran, on adore ces ramens-là. Et regardez, quand vous commandez, vous pouvez mettre en anglais, vous commandez à la borne. Donc nous on prend le menu classique, vous pouvez rajouter tous les petits suppléments que vous voulez, vous payez. Ça vous sort des petits tickets, voilà. Et ensuite elle va vous donner une feuille que vous remplissez, vous inquiétez pas, c'est écrit en anglais, pour savoir l'intensité du bouillon, donc très gras, pas gras, piquant, enfin l'intensité du piquant, patati patata. Et ensuite, on vous installe à table. Donc regardez, vous avez plein de choix, donc la richesse du bouillon, niveau de l'ail, des oignons verts, même si vous voulez finalement pas de tranches de porc, l'intensité du piquant, la texture des nouilles, voilà, vous choisissez absolument tout. Et ce qu'ils ont pré-entouré, vous voyez par exemple la première, c'est ce que eux recommandent. Et une fois qu'on vous installe, vous donnez ce petit papier. Ils vendent tout ça, hein, si vous voulez. Ça, c'est sûr qu'on en ramène. Donc là, ils viennent de prendre les petits papiers. On est tous séparés dans des petits box, mais regardez. Ça ne marche plus? Ah. Coucou, comme ça, je peux l'embêter. Parfait. Regardez l'eau, le bouffi des œufs. Il a pas pris que ça en supplément. Ah oh, mais ça va, laissez-moi tranquille. Oh, on te laisse tranquille. Et quand c'est prêt, ils ressoulèvent, ils servent. Bon, je vous montre. Il y a pas un bug dans la prise. Bah si, j'ai pas demandé supplément.
Voilà, donc le ramen est à 1620 yens, donc 10,80€. Le supplément de porc est à 260, donc 1,70€ les 4 tranches. Et l'œuf, bon, moi l'œuf fait partie du ramen, hein. Mais Mathieu qui s'en est pris un supplément en plus, c'est 140 yens, donc 93 centimes. Par contre, je pense qu'ils sont trompés parce qu'ils m'ont apporté ça, mais moi j'ai pas demandé de supplément. Bon appétit. Et voilà. C'est ultra, 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 ultra copieux. Oh, là, il va me niquer. Et alors, regardez. Ah bah attends, mon côté est fermé. Si vous voulez vous commander quelque chose, vous prenez la feuille, vous cochez, vous avez le petit stylo là, et vous appuyez. Là. Ting, ting. Et ils vont venir prendre votre petite feuille. On y va ? C'est parti. Bon, du coup, ça y est, on est sorti. C'était super bon. Copieux, moi j'ai vraiment envie d'aller me poser là. D'ailleurs, enfin, j'aimerais bien faire une sieste. Je dors pas très bien en fait depuis que je suis au Japon. Enfin, je me couche très tard alors que je suis fatiguée. Mais je me couche comme si en fait j'étais en France, c'est-à-dire à 1h ou 2h du matin. Et vers 5-6h, enfin, je suis levée et je me réveille beaucoup la nuit en fait. Ah ben alors que je suis fatiguée, hein, je suis fatiguée, mais je sais pas, je pense que je cogite trop en fait. Du coup, on est de retour à Tokyo. Alors je vais vous dire que quelques petits trucs que j'ai notés, mais très rapide. Alors c'est la capitale du Japon, oui forcément, mais c'est l'unique capitale du Japon depuis 1868. Il y a plus de 14 millions d'habitants, mais si on prend le grand Tokyo, on est à plus de 40 millions d'habitants. Il y a 23 arrondissements et elle s'étend sur 2187 km². Donc là, nous on va loger 3 nuits dans le quartier de Shibuya. Donc il y a pas mal de choses à voir dans ce quartier. Donc ces deux quartiers là sont des temples de la mode. Donc déjà Shibuya par sa fameuse tour très connue 109 qui est au niveau du fameux crossing, donc passage piéton, l'énorme passage piéton. Shibuya rassemble la jeunesse pop au look un peu Lolita avec tous ces accessoires qui mettent tout kawaii, tout rose, etc. Et un petit peu plus loin il y a Harajuku et là en fait ça fourmille de cosplayers au look plus décalé qui se presse le dimanche à Takeshita Dori Street et aussi devant Meiji Jingu. Donc Takeshita, je vous en parlerai quand on y sera, Meiji Jingu actuellement. Là on est aux portes d'un parc, mais je vais vous montrer ceci. Ça ne va pas en intéresser beaucoup. Là vous avez le stade national avec son toit suspendu et il a été construit pour les JO de 1964. Et là, on va avancer et on va arriver au Yoyogi Koen. Donc, c'est un parc ouvert au public depuis 1967. C'est l'un des plus grands de la ville. Et c'est aussi à une des entrées de ce parc que le week-end, vous pouvez voir les fameux danseurs de rock. Je pense que vous avez... Oui, voilà, il y en a plein qui ont dû déjà voir ces images-là. Vous savez, des personnes habillées... Non, pas forcément en noir, dans jean et tout. Mais vous savez qui danse... Vas-y, montre un peu. Mais c'est ça, le rockabilly. Vas-y. Ouais, voilà, ça vous dit quelque chose? Mais ils le font mieux. Ils le font mieux. Mais c'est à une des portes, du coup, à une des entrées du parc de Yoyogi. D'ailleurs, ce que j'ai dansé là n'était pas le rockabilly, mais le rock à Mathieu. Voilà. Sinon, sur notre quartier de Shibuya, c'est un arrondissement qui a été fondé en 1932. Tout ça, toute l'esplanade là-bas, toute cette avenue. J'avais pas reconnu, c'est Mathieu qui me l'a dit. J'aurais jamais reconnu, moi, comme ça, vide. Mais c'est là où on avait participé. On était tombé sur un festival sur la Thaïlande. Donc il y avait plein de stands pour connaître le pays, des stands de nourriture et tout. Et ça tombait ultra bien, bon, même si ça nous a pas servi. Mais du coup, on a assisté à ce festival en 2018 et on partait en 2019 en Thaïlande. Mais c'était déjà prévu. C'est quoi cette odeur? Du durian, ça va? Non, mais on dirait trop du durian, je vous jure. Oh mon dieu. Ça ressemble vachement en tout cas. Ça ressemble, hein. Qui c'est qui mange du durian? Donc là, on a juste à prendre les marches, forcément, qui sont derrière la guérite bleue. Et on arrive au Yoyogi Park. Et donc tout ça, c'est à quoi? 10 minutes, un quart d'heure de notre hôtel? Ouais, tout ça, ouais. Je pensais qu'on devrait prendre le métro, enfin le train, mais même pas. C'est bien, hein. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Choubi, si vous pouvez passer à gauche, oui, pour monter. Je voulais aller vers le Shiba. Ah, ça y est. Allez, voilà, on t'écoute. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Je veux un Shiba. Voilà, attends, qu'est-ce qu'il m'a fait là? C'est quand que tu m'as fait ça? Attendez. Hier, attends, qu'est-ce que tu m'as montré? Je veux une marmotte. C'était une marmotte? Mais oui, la marmotte qui venait prendre le biscuit. Ah oui, il m'a montré une vidéo d'un type qui a apprivoisé un peu une marmotte parce que elle voulait manger son biscuit. Voilà, forcément, il se retourne et on suit une marmotte. Pourquoi on passe pas sur le pont? Nous, l'autre fois, on était passé là. Bah, oh. Si vous prenez la station Harajuku, d'office, vous passerez à l'entrée de Rockabilly et c'est là aussi où ça vous mène au Meiji Jingu, le temple qui est
par là, ou par là et puis par là. Mais bon, c'est vers Harajuku que ça se passe. Donc nous on rentre là, on va se promener. Mais il n'y avait pas un lac. Ah si. Mais il me semblait qu'il y avait un lac là. Ah ouais. Allez, jure. Mais Choubi, jure, il n'y a pas de lac. Il y avait un point d'eau là-bas. Ouais. Non, c'est pas sûr. Regardez comme c'est calme. Je vais plus oser parler maintenant. Je crois que c'était en 2016, on était venus. On s'était posé sur un banc, on avait mangé des onigiri. Non, c'est sûr. Vous avez beaucoup de parcs au Japon. Faut pas croire que, parce que par exemple vous êtes en Tokyo, qu'il n'y a aucun point de verdure, aucun point calme pour se poser ou autre. C'est faux. Vous avez beaucoup, beaucoup d'endroits très calmes, reposants, relaxants, avec beaucoup de verre, beaucoup d'arbres. Je suis sûre qu'il y a un point d'eau là-bas. Il y a beaucoup de gens, regardez, qui se posent. Ils mettent des bâches et ils se reposent ou ils mangent. Ça, ça se passe très très souvent déjà pour le hanami. Donc c'est la période des cerisiers en fleurs, quand ça va éclore et en pleine floraison. Ils mettent tous des bâches et souvent ils ont leur emplacement des fois des heures à l'avance. Donc ils posent une bâche, personne ne va. Hein. Et après ils passent la journée en famille, en amis, ils mangent, ils boivent. Et c'est ultra sympa, nous on l'avait vécu. Bon, on l'avait pas fait nous avec nos amis, mais on voyait les gens le faire et c'est ultra sympa. Même quand il se passe rien, ils ne vont pas aller s'asseoir ou dormir en dehors des bâches. Il faut toujours qu'ils aient quelque chose sous eux. Toujours, 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 toujours. Mais en Corée aussi. Parce que quand on avait fait le festival à Busan, oui, à part que là-bas, ils distribuaient des bâches. Genre pour nous, les touristes. Donc vous voyez, Harajuku, ça va être par là. Et on va aller faire un petit tour là-bas. Pour vérifier s'il y a bien mon petit point d'eau. Regardez, il y a plein de rosiers. De part et d'autre. Et voilà, j'avais raison. Regardez les rosiers, point d'eau, et tout au fond, il y a un énorme lac. Ça te dit quelque chose maintenant? Ouais. On est d'accord que c'est pas Ueno. C'est pas Ueno, c'est là. Non, c'est là. C'est là. Hmm oui, ça va. Alors? Bah oui, mais toi, tu me parlais d'un lac circulaire. Allez, vas-y. Alors que celui-ci est ovale. Tiens, va voir là-bas. Il doit y avoir des travaux, donc il y a plein de bâches oranges. Mais regardez, comme c'est calme, on est en plein cœur de Tokyo. Hein. Ok, 14 millions d'habitants. Pas toujours très calme, ok? Non, mais là, voilà. Du coup, regardez, c'est ça l'entrée quand vous arrivez de Harajuku. Et du coup, le week-end, ça se passe là, les danseurs de rock. Sur la place, juste avant d'entrer là, dans le parc. Tout ici. Oh non, sont ceux-là, en fait. Voilà. Mais venez, c'est chouette. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça me fait rire, parce que pour réparer un trou comme ça dans le bitume, un trou comme ça, tu vois, pas plus grand. Ils sont 6 ou 7. Ouais, ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont 5 pour réparer le trou dans le bitume comme ça. Il y en a un, il doit mettre les plots. Si, si, il y en a un, il met les plots. Ils sont 7. Ah, ils sont 7. Bah, regarde. Ah, ouais, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a derrière, hein. Ah, ouais, c'est ça. Donc, il y en a un qui met les plots de sécurité. Il y en a d'autres qui font attention aux gens pour pas qu'ils arrivent près du truc de sécurité. Il y en a un autre qui passe les outils pour faire le rebouchage. Il y en a un autre. Bah, il travaille. Ah, oui, mais je dis pas. Pour vous situer, regardez ça. Le stade est juste là. Et maintenant, on va se diriger vers le temple. Temple, sanctuaire, temple, Meiji, Jingu. Le temple, on se retrouve juste devant. Et voici, vraiment, une minute plus tard. Hein. C'est vraiment très 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 rapproché. On est devant le tori avant d'accéder au sanctuaire de Meiji Jingu. Donc ce tori fait 12 mètres de haut et il a été fait dans un bois vieux de plus de 1500 ans. Ça, c'est le chemin pour arriver au sanctuaire, donc dans une petite forêt toute calme. Et il y a 200 espèces différentes d'arbres ici. Je vais déjà vous en parler avant qu'on arrive devant, parce que s'il y a beaucoup de monde, j'ai pas envie de crier, j'ai pas envie de déranger des gens. Il faut savoir que l'empereur Meiji est mort en 1912, et donc en fait, le temple, que je vais vous montrer après, a été construit 8 ans après, en fait, en 1920, pour honorer justement sa mémoire ainsi que celle de son épouse. Et il a été reconstruit en 1958, juste après la Seconde Guerre mondiale.
et c'est un des temples les plus populaires de la capitale. Meiji Jingu, c'est aussi le plus grand sanctuaire shintoïste du pays. Les Japonais ont envoyé 100 000 arbres pour créer ce lieu. Il y a beaucoup du coup de cérémonies de mariage qui s'y déroulent chaque année. Donc si vous pouvez y assister... Nous on a déjà vu des mariages, alors pas ici. Oh, dans plusieurs temples. Ouais, dans plusieurs, ouais, plusieurs temples. Et après du coup, tu les vois faire les photos dans certains parcs. Du coup, toute l'allée pour y accéder, c'est ouvert toute la nuit. D'accord. Mais la partie où il y a le sanctuaire, donc le bâtiment, c'est uniquement du lever du soleil au coucher du soleil. Durant l'ère Meiji, c'était un grand moment pour les échanges entre la France et le Japon. L'empereur était très ouvert aux cultures occidentales et adorait le vin français. Donc depuis 2006, chaque année, il y a des barils de vin qui sont offerts par la région de Bourgogne au sanctuaire pour marquer la longanimité franco-japonaise. Et juste de l'autre côté, ce sont des tonneaux de saké qui sont offerts par l'association des brasseurs de saké. Et cette donation souligne le respect envers l'empereur Meiji qui a modernisé la production de saké au Japon. Ceux qui ne savent pas, le saké c'est un alcool de riz japonais. Et il est très important dans la religion shintoïste car il permet de lier les hommes et les dieux. Regardez. Et nous y voilà. Il faut marcher entre 5-10 minutes pour accéder au sanctuaire. Regardez derrière. Alors pour être honnête, on est déjà venu 2 ou 3 fois. Je ne me souviens plus du tout comment il est, mais plus du tout. Mais non, écoutez, je ne me souvenais pas du tout. Ici, c'est là où les Japonais, enfin, si vous voulez, vous écrivez sur les petites plaquettes en bois. Je suis désolée, j'ai plus le nom. Peut-être que Mathieu l'a. Et vous mettez votre prière ou vos souhaits, puis vous les accrochez. En fonction des temples, il y en a qui sont déjà décorés et tout, il y en a des très très belles. Je ne peux pas vous montrer plus loin parce qu'à partir à partir du garde, on ne peut pas filmer et prendre de photos. De ce côté, vous achetez des amulettes, des talismans. Oh, ça, aussi là, mais vous payez. Après, vous prenez un des petits socles là en bois, vous secouez, vous faites sortir un numéro. Ensuite, vous prenez dans le tiroir. Comment ça s'appelle? C'est un message. C'est soit bonne fortune, soit mauvaise fortune. Donc vous prenez dans le petit tiroir le numéro qui correspond à votre bâtonnet. Et soit c'est de la chance ou de la malchance, mais souvent c'est écrit en japonais. Certains, dans certains temples, c'est aussi écrit en anglais. Oui, c'est rare, c'est plutôt en japonais. Et si vraiment vous comprenez pas, vous montrez à un japonais, c'est ce qu'on avait fait. Voilà. Il nous disait si c'était bon ou si c'était pas bon. Voilà. Si c'est pas bon, vous devez l'accrocher oui, au temple. Attendez. Je sais pas où exactement, mais... Ouais. Vous savez, c'est là où il y a... Attendez. Par exemple, il y a plein de cordes et vous voyez tous des petits papiers blancs avec un nœud. C'est marrant, c'est où? Bah ouais. Parce que oui, effectivement, si c'est... mauvaise fortune, il faut l'accrocher. Bah écoutez, on sait pas où c'est là. Il y a peut-être que des bons. C'est peut-être que du bon. Regardez ça, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que la dernière fois qu'on était venu, on avait lu. Vous voyez là, c'est tout un cérémonial pour protéger sa voiture, c'est ça? Pour te protéger des accidents ou autre, vous voyez? Il y a un prêtre, un moine, qui est sorti et puis qui va, voilà, je sais pas, éditer des prières et tout pour... protéger la voiture ou le conducteur ou autre, voilà. Donc ça se passait là. Donc là il vient de sortir et la personne va repartir. Et il y a beaucoup de choses comme ça, on avait lu. Hein. C'est ouais. Parce qu'il a une belle voiture aussi. Il a une très belle voiture. C'est mais en fait je sais pas si c'est pour protéger la voiture, si c'est pour protéger le conducteur, je ne sais pas, mais bon, c'est des choses de protection quoi. Pour moi on est un petit peu dans la superstition, mais je sais que par exemple. Il y a des catholiques, enfin des chrétiens, qui font bénir leur maison quand ils l'achètent. Bien sûr, c'est vrai. Moi, là, pour moi, on entre un peu dans une espèce de superstition. Après, pour nous, c'est un peu beaucoup plus rare. Je pense que eux, ça doit être très commun de faire ça, non? Ah oui, je crois. Alors attention, il est 16h30, les gens ne peuvent plus rentrer, ok, pour accéder au sanctuaire. Donc attention. Ah oui, non, mais même pas là. Ah non, mais c'est fini. À 16h30, vous n'accédez plus au sanctuaire. C'était juste pour vous montrer, parce qu'avant, la gare d'Harajuku était en bois.
Et c'était la plus vieille gare en bois. Du Japon ou de Tokyo ? De Tokyo. De Tokyo. En bois de Tokyo. Maintenant c'est nouveau, donc nous on connaît pas, là on découvre en même temps. Donc regardez, quand vous sortez d'Harajuku, et le début du sanctuaire c'est là. Hein. Donc vraiment pile en face. Et avant, la petite gare en bois, elle donnait de l'autre côté. C'est vrai qu'elle était mignonne. Oui. Mais c'était tellement passant que... Et maintenant, on va... Ah bah vous allez voir. Mais à 2 minutes. Et nous voici à Takeshita Street. Ici, je pense que vous avez déjà vu plein d'images de cette rue. Ouais. On a toujours connu bondé comme ça. Tout le temps. Donc là, vous pouvez vous voir. Pour info, la gare est juste derrière, donc vous voyez, c'est très très proche. En fait, je pense que je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, enfin, je sais pas si je l'ai dit, mais en fait, Meiji Jingu, Takeshita et Yoyogi, c'est dans le quartier d'Harajuku, hein, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à vous parler, on était à Shibuya, mais bon, Shibuya, Harajuku, vous voyez, c'est très très proche, vraiment très proche, tout se touche. Wolfgang. Attendez, ici, on va vous montrer un truc. On avait goûté les fameux pancakes, mais vous savez, flush là, comment c'est ultra gros, ultra moelleux, c'est la première fois qu'on mangeait. C'était tellement prisé qu'à chaque fois il fallait venir à l'ouverture, prendre un ticket de retour parce qu'ils en faisaient genre que 20 ou 40 par matin. Et c'est la première fois qu'on en mangeait, on en a d'ailleurs jamais remangé nulle part. Non, ils en mettaient 3 l'un sur l'autre, donc le truc il était un peu bancal. C'était délicieux. On va vous montrer si ça existe encore. Et ici, du coup, c'est notre 4e voyage. Pendant 3 voyages, j'ai toujours voulu prendre une barbe à papa un peu en rainbow, donc avec toutes les couleurs et en forme de soucoupe volante. Je ne l'ai jamais prise parce que chaque fois qu'on passait devant, je n'avais pas faim. J'ai toujours regretté. Est-ce que cette fois, ça sera la bonne? Je sais pas, je suis pas sûre. C'était pas là les trucs flushy là? Attendez, c'était là? Mais est-ce qu'il y a encore? Non, il y a plus, si? Ça, il n'y avait pas. Il y a rempli de boutiques partout. Plein de choses à manger. Oh! Oh, je suis. Ici une énorme boutique. Il y a plein de sucreries aussi. Ah, c'est ça. Alors, pas les pancakes ultra aérés, mais la barba papa. Regardez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va descendre avec? Allez, que quelqu'un descende. Regardez, c'est ça. Voilà. Mais là, je n'ai pas envie. Voilà. Mais comme les 4 roues de voyage, j'en veux pas là. Et quand, après, quand on va rentrer, tu es déjà... En plus, ça se mange en prenant une barbe à papa, on est d'accord? C'est sûr. Si j'en prends, t'en veux? Non. Bon, mais ça sera pas pour cette fois là, tant pis. Dans 4 ans. Non. Et au fait, si Marion Crêpe est là. Bon, vous voyez, il y a du monde, il y a des boutiques, il y a de la nourriture, il y a des boissons. Voilà, c'est Tokyo. Ici, là, toute cette avenue, tac, 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 et qui descend, c'est Motesando. Du coup, c'est pour eux l'équivalent à nous de notre Champs-Élysées. Voilà. C'est mieux les Champs-Élysées. Mais bon, c'est des boutiques de luxe. Et maintenant, on va où? Dans un magasin pour Isa. Ouais, en fait on va voir le Pop Mart. On avait fait un hall du Pop Mart, on a connu ça en Corée. Donc on va y faire un petit tour. Et après on va à Kiddyland. Kiddyland, qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas vraiment, ils disent qu'apparemment c'est un magasin incontournable de la pop et geek culture. Oui. Au niveau de tout ce qui est jouets et goodies. Ok, bah c'est parti, alors on vous montre de boutiques. Et voilà, oh là là, 2 étages, oh 2 étages. Je vais pas filmer à l'intérieur, comme ça je profite tranquillement. Bienvenue dans Kiddyland, donc c'est... Oui, on a changé de boutique au fait. Hein. Ouais. Ah, et Pop Mart, je préférais vachement plus à Séoul, j'ai pas trop... Il y a aucune collection là qui me plaisait. Après c'est changeant. Par contre ici c'est tax-free, on n'a pas eu ça à Séoul, et on n'aurait pas dit non. Donc, du coup, là... ici c'est Kiddyland, c'est un peu le temple et le sanctuaire de tout ce qui est goodies, de la pop culture. En général, vous avez du Mario, du Pokémon, du Disney, du Star Wars, du Marvel, du Kirby, enfin un peu de tout. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, on est là.
Après, forcément, on va aller là. Je monte très rapidement comme ça. Et après, on fait notre petit tour. Mais c'est trop choupi. Allez, de retour à Shibuya. Obligé de passer là. Il est pas beau. En fait, il est pas doux. Sinon, il est trop mignon. Mais c'est quoi cette texture? Il est pas doux, hein. Ah, il est. Non. Non, il est pas. Il est... Non, hein. Par contre, tiens, comme ça. Et là, il est doux. Tout doux, celui-là. Ils adorent Winnie ici. Ils adorent. Il est ultra mignon. Oh ça. Oh là là. Oh non Choubi, regarde. Oh, on est obligé. Le obligé. Oh là là. Oh non. Oh. Oh, on n'a pas de place dans les valises. Au revoir. Ah bah alors je sais. Celui-là. Non, en fait, on a. On dirait pas qu'il a des poils au menton. Dégage à ton Disney. Regardez. Oh, je me souvenais plus que ça montait autant. Trop bien. Oh là là. Choubi. Les Max. Tiens, meilleure vente. Wow. C'est ultra mignon ça. Oh, le tas de bois. Regardez, il boit des biscuits. Ils sont trop belles. C'est quoi? Oh non! Oh non, mais ça c'est. Oh! Ça vient ça. Et ça c'est quoi? C'est la petite qui va avec? Oui. Et c'est une plaide pour lui ou elle est assez grande? Elle a une autre plaide. Ça me dérange presque qu'il y ait autant de Stitch. Oh regarde pour Noël, ça vient le 1er novembre. C'est quoi Disney Store Club? Alors pour vous faire une idée, ça c'est 4600 yens. Donc à peu près 28 euros. C'est une toute petite plaide hein, quand même. Oui, et celle-ci. Oh, oh, elle est trop belle. Elle a combien la plaide toute seule sans la peluche? 3600. Oh, oh. Ça, j'en ai marre. On sort. Je vous jure, je pensais pas qu'il y aurait autant de trucs Stitch. Comme j'en voyais pas spécialement dans les autres boutiques. Oh là là. Oh là là, Choubi, il y a les petites aussi serviettes qui vont avec. Pour le visage. Et il y en a d'autres là. Il y en a d'autres là. Il y a trop de trucs Stitch en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs Stitch. Hein. Ah ouais, je pensais pas. Et tu veux tout. Hein. Pour la cuisine. Regardez derrière. Le vert Stitch. C'est du plastique. Oh non, mais il y a des couverts Stitch. Oh, Choubi, il y a des couverts Stitch. Oh, il y a des couverts Stitch. J'en ai marre. Oh non, Choubi. Oh là, Choubi, regarde. Mais est-ce que j'achète ça? Choubi, t'en as une B-Max? Mais je sais.
con. Vivi, t'as pas vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vivi, oh là là. Regarde ton bol pour faire ton riz. Je sais. Je suis dégoûtée. Je m'en vais, je coupe. Ça continue, regardez un 4 couleurs Stitch. Un bis. Et en dessous un bloc-notes. Oh, il est magnifique. Ferme-le. Repose-le en bas. Stylo. Plein d'autocollants. Une petite figurine. En boîte mystère. Orange rochefeuille. Choubi, Choubi. Calendrier 2024. C'est quoi ça? Il est absolument magnifique, c'est un calendrier. Ah oui, je peux te trouver un moyen, facile. Finesse. Oh là là. Bah tu veux le prendre? Non. Hein? Direction le troisième étage. J'espère vraiment qu'il n'y a rien de Stitch. Vraiment. Mais réellement. Ben voilà, enfin voilà, 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 voilà. Oh, elle est belle aussi celle-là. Elle est douce. Mais oui, mais il reste pas grand chose. Il y a plein de petites tenues pour les enfants. Oh, des lunch fly. Donc, vous avez des figurines. De toute façon, vous avez vu à Epcot, à Walt Disney World. Tu as le Numos... Ah, il n'y a pas Stitch. Non. Il n'est pas joli. Sur le merch de Walt Disney World, il y a 40%. Mmh. Je ne savais même pas que ça existait. Du coup, exclusivité... au shop au Japon. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial, mais j'aime pas. Mais franchement, oh, bien. T'as vu? Exclusivité. Bon, après, là, j'ai pas envie de vous montrer. Ça va être long, mais c'est des jouets. Et... oh, comme c'est mignon, ça. Dans les petites boîtes, il y a encore un Stitch. Et voilà. Voilà, voilà. On a fait le tour ou pas? Non, là, j'ai pas montré. Ça, c'est tout pour le centième. Et voilà, on se laisse là. Mathieu, il m'a offert trois petites choses. Pas petites choses, il m'a offert trois choses. En fait, je voulais pas prendre plus parce qu'on va encore avoir pas mal de changements de ville, d'hôtel et tout, dont des très gros trajets. Donc on a chacun une valise dans notre grosse valise. Mais à déplacer, c'est très pénible. Donc pour l'instant, on ne veut pas défaire les valises. Alors je me suis vraiment limitée dans le choix. J'ai pris les plus petites choses possibles. Mais quand même, j'ai fait en sorte d'atteindre les 5 000 yens pour avoir le tax-free. C'était pas énorme en fait, parce que pour il a eu 4,60€ de réduction. C'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça, je suis trop contente. Mais vous verrez ce que j'ai pris dans un haul. Ou sur moi, si vous faites attention peut-être. Bref, et du coup maintenant, à 2 minutes, il y avait cette boutique que Mathieu voulait faire. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'il a dit que c'est la première au Japon? Choubi, qu'est-ce que tu m'as dit sur la boutique de Nintendo? C'est la première boutique Nintendo au Japon. Ah, mais elle a été ouverte quand? Il y a longtemps? Non, pas si longtemps que ça. Ah, donc c'est là, ok. C'est okay, tout récent, d'accord. Non, moi j'y vais. Et il y en a beaucoup qui existent dans le monde? Oui. Ah, donc c'est la seule boutique au monde? Ouais, trop bien. Trop bien, ça vaut pas. Ah bah alors attends, après Stitch, cherchons du Yoshi, Choubi, cherchons du Yoshi. Oh, Kirby. Est-ce que vous voulez que je vous montre un peu ce qu'il y a là? Est-ce que vous aimez Nintendo? Je sais que je connais pas. Yoshi. Oh, ça, je connais. Oh là là, génial. Oh
là là, oh là là, oh là là. Choubi, tu veux des gâteaux? Je te donne les gâteaux, je prends la boîte. On fait ça? Pourquoi? C'est qui ça? C'est qui ce truc? Ça, je sais pas. Oh, Choubi! Alors là, dans la vie, ça va faire compliqué. Si on l'écrase, ça passe. Oh là là, il est trop beau. D'abord, combien il est? C'est free. Excellente question. Free. Attends, tu peux m'aider à le remettre? Attends. Oh, il est beau quand même, hein. Moi, je fais mon fou. Oh, génial. Des serviettes. Oh non. Oh non. Des sacs congélation, Yoshi. Oh, on peut prendre. Non, mais c'est génial. Oh là là. Oh, regarde, regarde, des moules. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Oh mais non. Oh. Choubi, viens, on prend ça pour mon anniversaire. C'est le mien avant le tien. C'est pas grave. Mais tu veux ça toi? Oh non mais ah j'adore. Oh non. Mais c'est pire que Disney ici. Mais grave. Non mais peut-être tant mieux qu'on ait pas ça. Regarde, y'a pas des. Eh tiens, c'est quoi ça? Eh leur boutique, elle est géniale. Elle est dingue leur boutique. Mais vraiment, oh là là. Il y a un truc là, Pokémon. Qu'est-ce que c'est que ça, Pokémon Design? Voilà, bah après vous savez où on va, en face. En fait, on voudrait voir s'il y a des petites peluches Pika, parce qu'on en ramène toujours une, mais spéciale pour Halloween. En sachant que c'est demain, c'est maintenant ou jamais de l'acheter. Si il en reste et si il en existe déjà, on n'est pas du tout au courant. Plein de serviettes. Prends ça demain pour Halloween. Ou animal aussi. Oh là là, trop distancile. J'ai trouvé la fille protectrice d'Isa dans le Nintendo Store. Ouais, je suis sûre que c'est un truc moche. Allez, maintenant Pokémon Center. Et décidément ce matin, mon Fuji campagne. Et maintenant c'est Nintendo, Disney, Pokémon. Oh, le contraste dans la journée. Oh, trop mignon. Oh, il est génial. Oh là là. C'est pas possible, on va pas s'en sortir. Hein. Oh non. Oh là 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 là, tout pour Noël. Il y a vraiment rien, c'est vrai, pour Halloween. T'aimes qui, toi? Moi? Ouais, bah oui. Il y en a plein que j'aime bien. J'aime bien Ectoplasma. J'aime bien Alakazam. Oh, il est mort, ce machin. Alakazam. J'aime bien Kilo. Oh, c'est qui ça? Ça, c'est Polygon Z. C'est mignon, ça. Le Polygon Z. Moi, je connais que Pika et Miu Miu. Oh, le rayon Pika. My Pikachu. My Pika. Vous en choisissez un. Oui. Tu vois la différence? Là, la forme, ouais. Et là, la forme. Ah oui, d'accord, d'accord. Mais devant aussi, il y a une différence. Hein. Eh bien, ça, c'est un Pikachu mâle. Ouais. Et ça, c'est un Pikachu femelle. D'accord. Voilà. Ça, c'est le rayon enfant. Comme chose. Ensuite, cosmétiques et bijoux. Des petites pinces à cheveux, les serviettes, des crèmes. Alors, on est d'accord, par contre, que le Pokémon Center d'Ikebukuro, il y a 10 fois plus de choix, oui. 20 fois plus niveau peluche. Oui, oui, il est plus fourni. Ouais. En tout cas, quand on venait, il était plus fourni. Où la file pour payer? Voilà, hein, je vais montrer le principal. Il y a de tout, de toute façon. Voilà, il y a de tout. Tiens, même des brosses à dents, t'as vu? Tu veux pas un autocollant pour mettre sur ta Suica? Bon, on finit notre petit tour, mais on vous reprend. On n'a rien acheté. Bravo!
Bravo. Mais regardez, on a envie. Regardez. En sortant. Sweet Steam Café. Il était mignon. Les spaghettis carbo. C'est mignon ça. Et du coup, devant, regardez, ça vous dit. Et les airs encore de dispo. Très sympa. Jam Shop. C'est de One Piece. Ouais. Bah, c'est le principal. Ouais, c'est de One Piece aussi. C'est qui ? Luffy, mais bon. Je t'autorise juste là. Non, j'ai dit One Piece, c'est le principal. Hein. Oh. On était dans les escalators pour partir. Vraiment, vraiment, parce qu'on voit. Encore un Pop Mart. Et là, regardez, une boutique Stranger Things. On ne va jamais rentrer à l'hôtel, on ne va jamais faire le checking. Oh. C'est bon, on est sur le chemin du retour, enfin. 19h30, il était temps. Du coup, je vous montre un peu Shibuya de nuit. Bah si, regarde. Hey. Tout ça, c'est des combis de foot. Non mais... Alors j'imagine pas demain le jour d'Halloween. Ah voilà. Ah non, ça veut juste dire de pas laisser ses affaires. Hey, hey. Je lisais les panneaux. Alors Mathieu a demandé à une policière en fait ce qui se passait. Et si, c'est bien pour Halloween. C'est bien pour Halloween. Ils sont vraiment en mode alerte générale. Hein. Alors, il est 8h15, on vient juste d'arriver à l'hôtel. Comme c'était plaisant, on demande à récupérer nos bagages parce qu'on les avait laissés en arrivant, il était 14h. Et ils nous ont dit non, c'est déjà mis dans votre chambre. C'est génial. Donc, je vous dis tout de suite, avec notre taux de change à nous, on a payé l'hôtel 265 pour les 3 nuits. Enfin, je suis plus sûre de 265, mais je suis sûre que c'est 88€ par nuit. Voilà. Il a l'air ultra correct, mais ultra correct. Je vous montre. Donc, dès qu'on rentre, il y a toujours des petits sambons pour les pieds. Alors là, ça fait pas les chaussons comme eux, mais plus des... comme du tatane. Il y a les petits chaussons à côté, le chausse-pied, il y a une machine à laver. Je ne sais pas si elle fait aussi sèche-linge, mais elle est énorme. Il y a un micro-ondes. Il y a un bouffon. Alors, congélateur. Frigo. Il paraît tout neuf. Ensuite, on a évier, taque de cuisson, bouilloire, même éponge avec de quoi nettoyer sa vaisselle. Ça, c'est quoi? Ah oui, d'accord. Vous avez une louche, un couteau, une casserole. Ah, et ça, non? Non, je pense pas que c'est l'alibi. Oh là, assiette, couverte. Ah, ça, il y a vraiment une kitchenette. Et ça, et franchement, tu restes à Tokyo, là, une semaine, 15 jours. C'est génial, mais génial, parce que même si c'est pas cher de manger à l'extérieur et tout, des fois, c'est quand même ultra kiffant de te poser dans ta chambre. Et de... Tu sais quoi ça me fait penser? L'hôtel que tu nous avais réservé avant de prendre la cruise en septembre 2022. On avait aussi un espace comme ça avec une kitchenette et tout. Ah, et qu'on avait commandé Uber Eats. C'est ça. On avait une kitchenette. Ouais. Ah oui. Ah oui. Ensuite, coffre-fort. Voilà, hein. Poubelle, table, chaise, fauteuil, télé. Un grand lit, nos bagages. Vous voyez avec quoi on se trimballe. Voilà, encore les prises. Miroir. Ensuite, la salle de bain. On a allumé comme ça, c'est fait. Avec. Alors là, les toilettes ne sont pas séparées, mais toilettes dans la salle de bain, vasque et baignoire, douche. Alors là, du coup, il n'y a pas la douche à la japonaise où on se lave là. Là, t'as intérêt d'avoir des grands bras pour appuyer sur les boutons. Mais par contre, la baignoire est beaucoup plus grande. Oui. Et Mathieu qui a un mal de dos, enfin, c'est fatigué ou pas fatigué, ce soir tu te mets dans le bain. Non mais, voilà, ce soir tu te mets dans le bain. Ça peut te faire que du bien. Tu disais, elles sont trop petites. Non, là c'est vraiment un vrai bain. Ah oui, donc là à disposition, il n'y a que des brosses à dents. Par contre, dans le hall, il y a toute une box avec plein de choses qu'on a besoin. Donc si c'est des élastiques, des cotons-tiges, des peignes, des caches-cheveux, là, des capuches de douche. Voilà. Bah, pareil en savon pour le corps, shampoing et conditionneur. Oh.
ses cheveux, un immense miroir. Et regardez, il y a un petit balcony. Alors attendez, parce que le balcon est forcément au niveau des... Oi. Est-ce que j'ai réussi à passer? Bah c'est délicieux, donc. Waouh. Ah, et on est au 8e étage sur 10. Et on n'a pas le petit déjeuner, hein, compris dans la famille. Oh, à 88 euros la nuit à Tokyo. On est à combien de temps du crossing et tout pour l'ambiance? À 10 minutes, un peu 10 minutes. On est à quoi, 5-10 minutes? 10 minutes? 10 minutes plus. Regarde cette vue-là. Ouf, enfin, je regarde dans ma main. Ouf. Faut pas taper la GoPro. J'aime pas, je rentre. Allez. On s'installe un petit peu et après on vous montre ce qu'on a ramené à manger. On a été s'acheter du coup, là on voulait pas... Mathieu déjà n'avait pas faim. Moi j'avais pas faim, mais encore une fois psychologiquement, je ne peux pas louper un repas. Psychologiquement, j'y arrive pas, je peux pas. Donc on est passé dans une supérette acheter à manger. Sachez que des fois dans les supérettes, donc pas dans les convenience store, hein, c'est-à-dire pas dans les 7-Eleven, Family Mart, pas dans cela, mais dans les supérettes où les Japonais font leurs courses, arrivé à une certaine heure, ils bradent les prix. Vous voyez des petites étiquettes rouges, et c'est à prix cassé pour liquider le frais en fait, par exemple les sushis, les trucs comme ça. Bon, là on y était à 8h, c'était pas le cas, mais voilà, au moins on peut se poser là et c'est génial. Et du coup j'aurais su qu'il y avait micro-ondes, ouais, j'aurais peut-être pris un plat chaud, mais c'est pas grave. Alors moi, petit bémol à la chambre. Mais vraiment léger, hein. On va s'en accommoder facilement. Je vous ai même pas dit ça, on a des peignoirs. Petit bémol. Il manque quelque chose? Il n'y a pas de penderie. Oh ouais, mais... Pour mettre nos affaires. C'est... si, là. Oui, mais... Ah, il manquerait un... Là, hein, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais écoute, nous on va pas cuisiner, donc je peux pousser la taque et on va s'installer là. Hein. C'est pas grave. Mais même là, regarde. Et on peut mettre là et au-dessus de la machine. Allez, on s'installe un peu et on vous montre ce qu'on a ramené. On a un café à la noisette, un pack de 3 sandwichs, dont un à l'œuf, un sur menton maillot et un avec tostinette de fromage et jambon. Un chocolat. Alors, on ne sait pas si c'est censé se chauffer ou pas. Parce qu'ils disent quand même couper. On va savoir. Une boisson vitaminée au citron. Un autre café. Ça, qu'est-ce qu'il a pris? Ok, ben un café. En canette. Ça, ce sont comme des sushis. Enfin, c'est pas des sushis. En fait, c'est du riz enveloppé comme... En fait, je sais pas si c'est comme une couche d'omelette et puis un petit peu à l'orange. Enfin, c'est un peu aux agrumes. Mathieu, il adore ça, moi, pas du tout. C'est quoi ça qui s'est pris? Ah, bah son poisson, comme d'hab, avec de la crème dedans, regardez. Ah, mais là, c'est crème et chantilly. Ouais, sûrement. Ensuite, un plateau de sushis. Il y en a deux. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et là, notre plateau de sushis avec 2, 4, 6, 8, 10 sushis. Voilà. Pour l'ensemble là, on en a eu pour 2350 yens, soit 15,74 €. Mais il faut savoir que les deux plateaux là, pour 24 sushis, donc ces deux là, et on a pour 8,60. Voilà. C'est 1200, à peu près 1300 yens. 8,60 ça. Donc ça fait vraiment pas cher, 8,60 les 24 sushis. Ça fait 35 centimes le sushi. Bon, c'est vraiment donné. Hein. Et je pense qu'on va se régaler. Voilà, bon appétit. Fallait quand même que je vous les remontre. Sans le plastique, donc 8,60, regardez-moi ça. Désolée, il y a le reflet à cause de la lumière, mais... Mmh. Allez, bon appétit. Bon, voilà, installé. Il est quoi, 23h30? 23h30. Demain, pas de réveil. Tant pis. Demain, et je te dis ça, à 6h du mat, je vais te réveiller sur mon téléphone. Tu paries? Moi, tu me réveilles pas. Hein. À partir de quelle heure je peux te réveiller? Si je m'ennuie trop. Maximum 9h. Non, à minimum à 9h? Oui. Ou max à 9h je te réveille? À 9h, je peux me réveiller. Bon, bah demain, alors, je serai ton réveil à 9h. Okay. Bref, on espère que cette journée vous aura plu. On est vraiment passé du Mont Fuji à Takeshi Nori Street.
Il y a une transition. Ah, mais t'es dingue, ouais. Donc, on fait encore 2 jours ici à Tokyo. Et puis après, on repart. Pas chez nous, mais dans une autre ville. Et dans une ville, enfin surtout dans une région qu'on n'a jamais fait. Nouveauté. Et c'est Mathieu qui voulait y aller. Oui, totalement. On verra, hein. Peut-être que ça va nous plaire ou et par contre, et ça va être encore un périple pour y aller. Et pour aller à Kawaguchiko, enfin à côté c'était de la gnognotte. Hein. Là, oh là 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 là, le périple de dingue. Vous vous rendez pas compte. Complexe. Ah ouais, vraiment. Bon, on va arriver à 22h30 et quelques. À la gare, je crois même pas à l'hôtel, à la gare. On va te claquer. Je crois qu'il faut que je les prévienne quand même. Parce que je crois que j'avais mis arriver 18h. Ils vont annuler la chambre. À 23h, on va être à la rue. Bref, on espère que cette journée vous aura plu. Ah, vous faites les sushis. Étonnamment, c'est peut-être les moins bons que j'ai mangés au Japon. Ils étaient bons, ils se mangeaient, mais par rapport à tous les autres, en fait, que j'ai mangés, aussi bien dans des restos haut de gamme que dans des... comme on fait la kurasushi ou enfin c'est 70 après, centimes quoi, ça fait 30 centimes le sushi. Voilà, en fait ils ressemblaient énormément aux nôtres à part qu'ils sont 4 fois moins chers, donc voilà, on peut pas dire grand chose quoi, ça se mangeait. Voilà, et toi, ton sandwich? Non, c'est un sandwich, hein. Moi c'était juste manger pour l'accompagner. T'aimes bien toi manger les sandwichs ici, hein, c'est marrant. Non, c'est pas que j'aime bien, c'est que dans une semaine, c'est déjà le troisième paquet que tu prends. Ça, bah, c'est mon repas sur le pouce, au moins c'est vite fait et on peut passer à autre chose. Bah t'es en vacances, t'as le temps de manger. Non mais là, ce soir, par exemple, j'avais pas envie de manger, j'avais pas envie de me prendre un plat. Ah oui, d'accord. Petit sandwich sur le pouce, ça suffit. Ok. Allez, bah on vous dit à demain, on sait pas quelle heure, par contre on sait ce qu'on fait le matin. Et oui. On sait ce qu'on fait le soir. L'après-midi, on sait pas. Oh oui, on va filmer ça. Allez, bonne nuit, bonne et à demain. Nuit. Bisous.